Salut les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo, format vlog. On part ensemble découvrir les coulisses d'un live, celui des SOS Ciné, qui se passe le dimanche matin à 11h, et on voit ça ensemble tout de suite. Nous sommes dimanche 26 janvier, vous êtes sur le live. Intro, maestro. Je suis en compagnie de Jules qui est au platine aujourd'hui et coucou tout le monde. On a un invité de marque puisque nous avons Guillaume de la chaîne Artipair qui vient nous faire un petit reportage. Viens là toi. Guillaume, il est là. Coucou. Pour ce live. Au départ, je partais sur un format vlog où je t'emmenais avec moi découvrir le live des SOS Ciné, comment ça se passait, l'envers du décor. Si tu connais pas Albert, c'est un loueur de matériel. Il a une boîte qui s'appelle SOS Ciné, il cloue du matériel pour aussi bien pour le cinéma, pour la vidéo, pour la photo, tout ce que tu as besoin, il l'a. Aussi bien en light, en objectif, en caméra, en micro, t'as tout ce que tu veux chez lui. Donc ça, je te mets le lien dans la description pour que tu ailles checker sur son site et aussi bien live qu'il fait. Parce que Albert, il fait un live tous les dimanches matin. À 11h, il va parler de tech, les dernières nouveautés un peu en matériel, mais il va aussi répondre à nos questions de ses abonnés ou même de tout le monde. Si tu as des questions à lui poser par rapport au matériel ou des questions techniques, il sera là pour toi. Mais Albert, c'est surtout un sacré personnage. Et ça, je te laisse le découvrir avec le début de son live. Et pas le 70D. Mais franchement, ça sert un peu à rien, donc prenez le 70D, faites pas chier. En plus de ça, il est étanche. Est-ce que je vous conseille ces deux boîtiers? Non, pas du tout. Voilà, GH4 Mark III, on a fait un peu le tour. Je vais parler un petit peu de Sony et de ce que je pense de leur caméra avec la 6000, la 6500, le 400, enfin tous les toutes les caméras APS-C qu'ils ont sorties. Elles sont beaucoup trop chères, voilà ce que j'en pense. Vous allez allumer ça, vos copains vont vous dire « Putain, t'utilises un Sony, t'es intelligent. » Oui, je suis triple champion du monde de Mahjong et donc je peux utiliser un menu Sony. Et puis, quand tu connais Albert, ben, tu sais que le live, au moment, il va partir en couille. Surtout quand on est à 3. Avec Jules, on s'est bien marré. Et je te laisse voir ça. C'était des moments, mais inoubliables. Allez, c'est parti. D'exposition. Vous avez 3 manières de régler votre exposition sur votre appareil photo. Vous avez l'ouverture, la vitesse et les ISO. Bonjour, ici Albert ASMR. Et ce live part complètement cool. Mais n'utilisez pas le shutter speed pour régler le. Ah, je viens de faire un petit prout. N'utilisez pas le shutter speed pour régler votre exposition. C'est une connerie. C'est une véritable connerie. Ne le faites pas, quoi. Si je vous attrape en train de faire ça sur un tournage, ça va chauffer. Sérieusement. Ouais, l'autre là qui a essayé de me faire... Ah, mais tiens, je vais augmenter la vitesse d'obturation. C'est ça. Et... pour exposer mon image correctement. Alors, il y a un ISO qu'on appelle l'ISO natif dans les caméras. Je l'ai expliqué dans beaucoup de lives et je le réexpliquerai sûrement dans d'autres lives, mais pas aujourd'hui parce qu'il est 11h43. J'ai encore envie de recevoir Guillaume et de répondre à vos putains de questions. À vos questions. Pas vos putains de questions. T'avais parlé d'une jarre où tu mettais un dollar à chaque fois qu'il y a une connerie. Il y a le pot à insulte. Puis est venu le moment où j'ai été entre guillemets piégé, même si c'est pas le mot quoi. Mais au départ, je venais pour faire, comme je t'ai dit, un vlog, des coulisses, un petit reportage. Je me suis retrouvé finalement face cam avec Albert. Et ça a été sympa quand même. Allez, on est parti. Tiens, Jules, est-ce que tu peux équiper Guillaume de... d'un micro HF? Bah, donne-moi le tien. Mesdames et messieurs, c'est le moment que vous attendiez tous. C'est le moment des questions-réponses karaté. Ça vient, Guillaume. Je suis bien là sur le timing. Ah oui, bah ouais, je suis en direct. 15 minutes. Bonjour, je suis en direct. Bonjour Guillaume. Salut Albert. Salut, ça va? Ça va. Guillaume, présente-toi.
Scream, présente-toi, Ok, donc vous n'avez absolument aucune excuse, hein. C'est un... Mec, absolument. Toi, qui habites dans un bled de 300 habitants, tu n'as pas d'excuse pour pouvoir t'acheter une raid. Wow, une raid. Il ressemble à Carlos Ghosn en plus jeune qu'il, lui ou moi. Je fais gagner le pot à un de mes abonnés qui présente régulièrement. Bon, voilà, donc je suis avec Guillaume. Si jamais vous avez des questions et des réponses, n'hésitez pas à nous les poser. On se fera un plaisir d'y répondre, puisque Guillaume, aujourd'hui, je pense qu'il filme plus que moi. Moi, maintenant, je paye des gens pour filmer à ma place. Je suis un être absolument vil. Non, pas du tout, je fais de la réalisation. La réalisation, ça veut dire que je mets en commun les forces et les talents qui sont meilleurs que les miens pour pouvoir avoir un résultat que j'aurais pas pu avoir tout seul. Voilà, c'est ça, la réalisation. Ça s'appelle de l'intelligence aussi. Ouais. Il fait quoi, Guillaume? C'est qui? Bon, on a répondu un petit peu, donc tu es vidéaste, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu fais quoi, principalement, comme type de vidéo? Vraiment événementiel. On va dire tout sauf le mariage. Ah ouais, tu fais pas le mariage? Non. Pourquoi? Ça m'a jamais attiré. Bon, voilà. Voilà. Boum, ça c'est fait. Mais c'est un luxe de pouvoir justement se dire, voilà, j'ai envie de faire plutôt ce type de vidéo, plutôt ce type c'est de vidéo. C'est un luxe et un challenge en même temps, c'est... Oui, c'est vrai que le mariage, il y a beaucoup de... On va dire, le marché est tellement saturé au niveau des vidéastes de mariage, après dans le... Dans l'événementiel, même au niveau de la prod pour des boîtes, il n'y a pas grand chose, quoi. Puis c'est lui qui nous a fait les magnifiques magnifiques intro. Ouais. Attends, je relance celle du QNA. Je suis un... Non. Non. Non, tu fais pas ça. Non, on les a toutes les semaines. On est bien. On est peinard. On est peinard là-dessus. Et puis vous les aurez pendant la rediff. Tu utilises quoi comme matos, Guillaume? A7 II. Ouais. A6300. Ouais. Bah tiens, viens avec ton A6300, tu vas nous le sortir. Voilà. Donc ça, c'est ce que tu utilises. Là, t'as une poignée Small Rig. Ouais. Là, t'as un Rona SC. Tout à fait. Avec ton A6300 qui est un bon appareil parce que tu peux bénéficier du S-Log. Il n'y a pas de stabilisation de capteur, non. Mais tu t'en fous parce que justement... Il y a le Ronin dessus. T'as le Ronin dessus. T'as un autofocus... Ça va. Assez, ouais. Tu peux faire de la 4K. Il chauffe assez rapidement, le 6300. C'est son gros défaut. Il chauffe très vite. Et la batterie est pas au top. Comme sur la 7.2. Comme sur la 7.2. Là-dessus, tu nous as mis un 1635 F4. Ouais. Voilà. C'est une bonne optique quand même, ça. Ouais, c'est une bonne optique, elle est légère. Ouais. 1635, ça te permet. En plus, sur le Rona SC, tu peux bouger un petit peu. Ouais, ça va au niveau du. Le moteur tiers. Ça va. Exactement. Donc, ça te permet de jouer avec ça. C'est un bon combo compact, ouais. Qui n'est pas très lourd, tu peux le démonter, le mettre dans ton sac facilement. Tout à fait, ouais, c'est ça. Voilà. Et tu le montes en 5-6 minutes, t'es ready to go. Ouais, pour shooter, c'est parfait. T'as aussi là-bas un Gorillapod avec un Alpha. Ouais, un A7-2, ouais. Un A7-2, ouais. Pas le 7S, un A7-2, celui dont on parlait, qui permet aussi de faire du Full HD. C'est ça. Là-dessus, pour le coup, t'as un capteur stabilisé. Ouais. À chaque fois, j'oublie de le dire, mais... Ça nous aide. Mais la cloche... Abonne-toi. Et puis, on va se dire un truc, hein. Je te mets des petits bloopers pour la fin parce que franchement, à la fin, on s'est marré et tu verras, il y a un petit truc qui est devenu le running gag de l'émission jusqu'à dimanche dernier. Mais ça, je te laisse le découvrir dans tous les rediffs que fait Albert Dulaïs. C'est des petits cut de Jules. Donc je te mets les liens en description, faut que tu ailles checker ça et franchement, merci Albert, c'était franchement super cool, c'est bien marré. Ah, Mavic 3, pour quand des infos? Mais alors, bon, ouais, on va se mettre au clair, vous et moi. Albert n'est pas là-dedans. Non mais les marques ne m'appellent pas. Hello, Albert? Ouais, salut John, tu es le président de DJI? Oui, c'est moi. John, pourquoi m'appelles-tu? Pour te donner des infos que personne n'a dans le monde entier. Super, John, je te promets, je ne les donnerai qu'à mon abonné sur ma chaîne YouTube. Très bien, alors pour le Mavic 3... Non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a Digital Video qui s'énerve parce que Monsieur Caméra démarre son live et qu'il aurait pu attendre. Ouais, on va l'appeler. On va l'appeler tout de suite. Fuji... Appelle David. On l'appelle. De quel contact parlez-vous? J'appelle dès maintenant. On l'appelle. Il est midi 2, hein. Ouais, non mais... Il va pas répondre parce qu'il est en live, je pense. Mais Tu l'appelles 4 fois de suite, il finira par répondre. Hein.
Oh putain, non, il y a un peu pas. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie vocale de Langue David, représentant de la société Monsieur Caméra. Je ne suis pas disponible pour l'instant, mais n'hésitez pas à me laisser un message vocal après le bip sonore. Après avoir laissé votre message, vous pouvez le modifier en tapant dièse. Oui David, c'est Albert de la Soie Ciné. Je tiens à dire que mes abonnés là dans la chatroom ne sont pas contents parce que tu as démarré ton live pile à midi et maintenant ils savent plus du tout quoi regarder. Voilà, voilà, je tenais à te le préciser. Donc notamment Digital Video qui n'est pas content. Je t'en fais des poutous. Allez, je plaisante. Je t'embrasse, à plus. Bon live mec. Bon bah voilà, t'as vu les quiz SOS Ciné pendant un live. Bah merci Jules pour ton temps. Et... Bah merci à toi d'être venu. Albert te remercie aussi, même s'il est plus là. Ouais, bah nous a quitté, il est parti au rendez-vous donc. D'ailleurs, moi aussi, hein, on doit faire. Ouais, bon alors, si t'as aimé la vidéo, hein, un petit like, abonne-toi, mets la cloche. Au revoir! Salut Jules, ouais! Donc suis-moi sur les réseaux, sur Insta, sur Twitter, et puis je te mets le lien d'SOS Ciné pour le live pour le dimanche. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Guillaume, salut!